Qu'est-ce qu'on a reçu? Une gratte. Ah oui! Elle est belle, hein? Oui. Comment ça se fait que c'est à moitié accordé déjà? Pouche. On va enregistrer la vidéo de Satisfaction. Oui. Coucou le bébé. Tu fais une caresse. On la voit pas. C'est dangereux, bébé. Je vais être obligée d'acheter un tapis blanc. Tu es bien sur la vidéo, bébé? Il y a des belles framboises. Donc, attention que je mette les pieds parce que si j'écrase une abeille. Elle est partie de ouf en l'espace de une semaine, quoi. Je reviens pas. Ah, petit poisson. Tu me piques le bleu? Les deux. L'hôtesse prend un kick en stéréo. Tu veux se lâcher? Oui, tu fais ce que tu veux. Tu peux même le mettre sur ta fiche technique si tu veux. Faut que j'écoute pour répéter. Push me, and then just touch me, till I can get my. Ça devrait être bon, ça. Ok. Bobo. Ah, mais elle attaque une fourmi. Bobo. Elle attaque une fourmi. Mais non, fais coucou, frère. Regarde là. Oh là là, t'es jolie. Moi, comme t'es jolie. T'es où? Elle t'attaque. Bobo. Vidéo terminado. Ah non. Oui, enfin. Captation terminado. Faut que t'ailles dans. Si, on t'a vu bailler. Faut que t'ailles dans mixage en haut. Oui. Et Dolby Atmos tout en bas une fois dans mixage. J'ai. Là. Ouais. Mixage. Ouais. Dolby Atmos. Pourquoi j'ai pas ça moi? C'est quoi ta version de Logic là? Logic 1992? Non! T'as quoi comme version? 10.6.1. Moi j'ai 10.7.7. C'est bien ce que je dis. Mais je dois bien avoir Dolby Atmos quand même. Mais non! Pourquoi? Mais t'as une version de Logic qui est de. C'est pas si vieux! Ça date de quand? Tiens, je vais regarder. 10.6.1 Logic. Nouveauté de Logic 10.6! C'était quand ça? Qu'on rigole un coup. 2020! Genre t'as pas fait de mal depuis 2020. T'as changé ton mot de passe Apple Store? Mais en fait, oui, c'est comme les autres. Quoi? Ta caméra, elle va pas être hackée. Hein. Si, j'ai peur maintenant. Elle va pas connecter à Internet. Mais maintenant, je soupçonne tout le monde. Alors, l'idée, c'était d'écouter le mix Dolby Atmos. T'as parlé un peu du Dolby Atmos? Non. Seb, notre ingé son, nous avait déjà fait donc, la version master de Palplan. D'ailleurs, là, il en a refait un qu'on vient d'écouter, qui est vraiment très, très cool aussi. Donc, ce sera probablement la deuxième version qu'on sortira. Et il a fait aussi donc une version Dolby Atmos. C'est un truc qui commence à se faire de plus en plus. Donc, c'est des versions, en fait, pour la faire simple, en écoute 3D. Donc, c'est-à-dire qu'au casque, au lieu d'avoir une écoute gauche-droite, on va avoir l'impression que le son est vraiment tout autour de nous. Et il y a beaucoup de playlists, par exemple de playlists éditoriales de Apple, qui sont des contenus exclusivement Dolby Atmos, et il y a peu d'artistes qui font ça pour l'instant. Donc forcément, si on a une version comme ça, on a plus de chances de rentrer dans ces playlists. Et là, on va écouter ça. Et l'idée, c'était qu'on écoute tous les deux devant la caméra, et qu'on ait la réaction en direct. Sauf que Lorraine, elle avait son Logic 1981. Oui, ça va là. Et donc du coup, il faut faire la mise à jour, donc en fait, on va l'écouter chacun de notre tour et on aura les réactions là. Moi, j'ai jamais rien écouté en Dolby Atmos. Donc voilà, c'est parti. Ce sera notre morceau en plus qui inaugurera ça. Moi, je préfère écouter en pas Dolby Atmos. Mais en fait, tu vois, c'est un peu comme au cinéma. Moi, par exemple, quand on va au cinéma, je préfère largement voir un film en pas 3D qu'un film en 3D, tu vois. Souvent, je préfère le. Tu veux essayer d'écouter pour voir, toi, ce que t'en penses? Bah c'est rigolo, ouais, c'est vrai que c'est différent. Il y a un côté un peu futuriste, on va dire, dans l'écoute, je trouve. C'est vraiment genre.
Moi, ça me fait bugger. Par contre, le fait que j'ai mon oreille gauche qui est sourde, j'ai l'impression que tout est pané à chouille à droite. Mais bon, ça, c'est normal. Ah bah, c'est normal, ça. Mais ça, c'est parce que t'as ton otite. Moi, après, je peux comprendre qu'on puisse aimer ça. Moi, c'est moins mon délire aussi, mais par contre, je peux comprendre qu'il y a des gens, ils peuvent écouter ça, parce que t'as plus l'impression d'être dans la chanson, quoi. Dans la pièce avec les gens, quoi. Oui, c'est ça, ça fait beaucoup plus son live que son studio. Mais moi, c'est moins mon délire. Moi, je préfère au casque un bon gauche-droite. Ouais. Mais ouais, c'est bien d'avoir cette version. C'est bien, c'est bien. J'avais failli oublier la caméra. Erreur. Alors que nous allons... On va acheter à manger. Mais non. Un sandwich. C'est pas ça qui est intéressant. Là, on part faire du wake, câblé. Enfin, moi, je pars manger des couilles et boire du thé glacé, mais oui. À Titsat Wake Park à Quimper. Et du coup, vous disiez erreur, parce qu'on a failli partir sans la caméra. S'il y a bien un truc de palpitant cette semaine, c'est ça, donc ça aurait été dommage de ne pas la prendre. Moi, j'espère que je vais réussir. Mais oui. Bah ouais. Alors, le rider fou. Quasiment Fibri. Tout du premier coup. Ouais, genre le 3-6 du premier coup, la box du premier coup, le tremplin du premier coup. Putain, je suis rincé. Oh. Je suis éclaté. Des jambes, des bras éclatés. Ça doit truc de ouf. C'est tellement physique. Ça va? Ouais. Toi, oh, t'es frais. Tu veux pas faire? On a eu le ressenti à chaud, mais pas à froid. Le ressenti à froid. J'ai récupéré mes bras, j'ai récupéré mes jambes. Du coup, j'ai envie d'y retourner tellement c'était bien. C'était trop stylé, j'ai trop kiffé. Et du coup, là, l'idée, c'est d'y retourner d'ailleurs très prochainement. Faire une session avec toi et Lisa et François. En mode... Oui. Franchement, vous allez kiffer, c'est sûr. Ça, hein, j'aime découvrir une passion. Oui. Moi, je pense que tu vas adorer. C'est juste que tu vas me fatiguer très rapidement, mais c'est normal. Surtout, t'as vu la gueule de mes bras. Bon, après, je pense que quand tu fais un cours débutant, peut-être ça doit te cramer, on va dire, de ouf, mais moins défoncer tes bras, parce que du coup, tu fais moins de virages et tout. Moi, je pense que par contre, si on va faire ça, il faut que je me coupe les ongles, parce que si ça rip, ça va me retourner les ongles. Il y a peut-être moyen que ça soit mieux avec des ongles un peu plus courts. Et aujourd'hui, du coup, vu qu'on fait journée californienne, ce soir, on va au drive-in pour regarder l'ascension, qu'on a déjà vue d'ailleurs, qu'on avait trop aimé. Mais du coup, là, on y va en mode américaine, avec la voiture, les petites conneries, les petites boissons. Ça va être bien. Ça va être chouette. Aujourd'hui, nous allons rec Your Twilight pour l'EP de Nito Ona. Je viens de monter les escaliers, du coup, je suis au bord de la crise d'asthme. Cette chanson-là, c'est en duo avec Louis. Donc, il faut que j'enregistre premier couplet, refrain. Je sais pas du tout si je vais maîtriser ou pas. J'avais une otite ces derniers jours, là, du coup, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que je peux enregistrer aujourd'hui. Avant, ça me faisait vraiment trop mal. Mais là, je peux rec sans aucun problème, hormis le potentiel problème que cette chanson est extrêmement aiguë. Et donc, je ne sais pas si je vais l'avoir facilement. Je sais qu'en studio, quand on l'a écrite, j'ai eu les refrains assez tranquilles. Sauf que, tu sais, c'est un peu comme quand tu cours tout seul et quand tu cours en compète, tu vois pas du tout la même vitesse. Et bah, quand tu rec avec des gens hyper talentueux à côté de toi et quand tu rec tout seul, ton corps il a moins d'ambition. Et du coup, des fois tu te sens pousser des ailes et tu te tapes des notes que quand t'es tout seul, t'y arrives pas. Donc je sais pas du tout si je vais y arriver, mais bon, j'ai pas trop le choix parce que c'est comme ça que le morceau est fait. Donc on va faire avec. Je vais bien mettre comme ça. Voilà. Still moving on from that night. Je sais même pas comment c'est que j'ai la nausée, comment qu'on va faire. Still moving on from that night. Everlasting shadows casting. Mais je maîtrise que de. Only you and my eyes. We're on the road for the right. Ever changing, never fading.
I think I like this kind of life by your side. Ok, il y avait du bien dans cette prise. J'ai fait un peu le tri de tout ce que j'aimais pas dans le couplet. Du coup, j'ai 6 prises. C'est 2 fois plus que ce que je fais d'habitude. C'est pas non plus la mort, mais voilà. Là, je vais attaquer le refrain. Dans tous les cas, le refrain, je vais pas pouvoir le faire trop parce que c'est hyper aigu. Donc, je sais même pas si je vais l'avoir. My escape, I'm always. You're my escape. Oh, we could spend a lifetime dancing on the skyline. I'm always bathing in your twilight. Qu'est-ce que ça donne? Je pense que ça va être bien. Et en plus, le fait que je me vois dégommer, du coup, il y a des parties un peu cassées. Donc, je pense que ça peut être sympa. Mais il faut que je sois précise. J'ai fini de rec Your Twilight pour la première partie. Quand Louis aura fait sa partie, j'aurai des armos à faire, plus des adlibs. Mais je pense que ça va être pas mal. Shadows casting. I'm always bathing in your twilight. I'll be your face. C'est cool. Je vais enregistrer et je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je vais me casser la voix. Je suis ingrate. Ah oui. Elle est belle, hein? Oui. Comment ça se fait que c'est à moitié accordé déjà? Il y a 3 petits micros. Simple, efficace. 2 petits boutons, simple, efficace. Puis elle est belle. Tintin. Il y a des films plastiques là aussi. Mais c'est ce que j'étais en train de voir. Tintin. Oh. Oh, comment c'est beau ça! Une fois que t'as enlevé le film plastique. Ça m'a encore un peu, donc je vais prendre la pince à épiler. Ben voilà, tu l'avais pour enlever tout bien. Je pense que le mieux à faire, c'est de prendre un petit cutter et de faire hyper précautionneusement. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de comprendre si c'est un film ou quoi. Ah, tu penses qu'il y a un double film? J'en sais rien. Je pense pas. Il y a un film. Ah, mais si, il y a un film plastique. Mais c'est le seul. Il y a un double, double film plastique. Coucou, ça va? Coucou! On vient de recevoir ma guitare. Que t'as commandé il y a combien de temps? Je l'ai commandé il y a, je sais plus, une semaine, deux semaines, une demie. Elle est magnifique, cette guitare. On en parle ou pas de la couleur? De mon côté, j'ai réfléchi un peu à comment chanter la chanson. Donc j'ai un peu fait des variantes de notes, des variantes d'interprétation. Et j'ai essayé pas mal de choses, j'ai trouvé un truc cool. Du coup là, Lorraine est en train de checker mon accent. Et elle va me dire les mots où il faut que je fasse attention à avoir le bon accent anglais. Donc elle est en train de faire ça. T'es dans la caméra. Je suis dans la caméra. Future is bright. Je t'ai écrit future. Future is bright. Ouais. Mais ça, j'avais entendu. Ok. Our silhouette. T'as fait un our. Oui, pas de H. Et our silhouette, j'ai mis sans H. We'll leave it right. C'est pas bon ça? It's only living when we leave it right. Leave it right. C'est ça. Ok. Leave it right. C'est exactement ça. Bah voilà. Et petite. Ah oui, je suis petite. Je fais 1m62,5. Il est pas serré. C'est toi qui me sers comme un bûcheron, après j'arrive plus à le dessin. Always dreaming, staying focused now. Never feeling. Non. Never feeling, but emotions. Always dreaming, staying focused now. J'ai fini d'enregistrer. Mais j'arrive pas à trouver mon Bad Emotions. En fait, je les aime quasiment tous. J'arrive pas à choisir. Du coup, t'es sur la même piste que cette base? Là, en gros, c'est la piste avec interprétation. Attends. Je suis censée choisir un Bad Emotions dans tout oui. Ça, là? Et parce que, en fait, j'avais ce placement-là, j'ai l'impression qu'il est 10 fois mieux. Et je maîtrisais de ouf. Mais il y a 13 pistes! Oui, mais en fait, du coup, je me suis. Oui, mais dit, je vais pas le faire là. C'est... Mais si, Bad Emotions, tu peux les écouter, tu. Et après il y a aussi sur je vais écouter 13 Bad Emotions. Staying focused now. Ça aussi j'arrive pas à savoir. I know the future is bright. Never feeling bad emotions. Right. C'est bien. C'est beau. Ouais, c'est top. Là c'est bien hein, le temps. Pour plaisir. On est en route pour le Titas Wake Park. Je vais faire du wake pour la première fois. Je flippe un peu parce que certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai une peur panique de l'eau. J'aime pas trop ça. Donc, j'ai un peu peur. Mais après, il y a des profs donc qui sont censés être là pour nous expliquer comment bien faire. Donc, ça devrait aller. On vous montrera. Yeah,
fléchit bien les jambes et on tire pas sur les bras. Ah, passe un truc. Oui. Oui. Ils ont voulu faire la pira. Yes. C'est bien. Je sens qu'elle a eu peur de monter sur le module. C'est bien. Oui. Et la main. Oui, la main, c'est bien. Je sais pas, moi j'avais envie de tirer dessus alors qu'il faut pas. Oui, elle est très bonne. Quand on a la planche de pied, aller faire son pompon. Me dis pas qu'elle est froide, sinon je vais pas y aller. Non, elle est. Allez François, on y va. Petit rire nerveux. Il y arrive, il y arrive. C'est que t'as fait un tour. Oui. Moi je vais douiller. Oui. Et je lâche la main. Oui. Voilà. Bravo. Voilà. Ouais. Nickel. Fou. Tu peux m'inscrire pour la prochaine. Ah bah oui. T'en as jamais fait non plus? Non. T'as vu, t'as géré, hein? Ouais, j'ai géré. Hey, bah, arrête, t'as entamé les virages. Ouais. Mais en tout cas, j'y arrivais mieux qu'il y a 20 ans. T'as vu qu'elle est bonne? Qu'est-ce que tu fais? Bien. Ah ouais. Lorraine, c'est bien. Pas besoin de mettre son pied gauche tout de suite devant, d'accord? Ça, c'est les petites bases de skate, je pense. Ouais. Voilà, elle passe à son étape 2. Et là, je pense qu'elle s'est stressée avec le module. Là, il y a la fatigue qui commence à... Oui, 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 oui. Ah. Allez, là, tu partais bien, mais on arrive en butée du câble. Allez, donne tout. T'as vu la tasse? Ouais. Yes. Ouais. Ouais, allez, c'est parti pour le module. Ouais, elle y arrive, regarde. Yes. Allez. Trop bien. Ah, du coup, je filmais pas bien. Parce que j'étais en train de la regarder. Ah non. Il y a un moment, tu peux plus. Là, je pense que Lorraine, elle arrive au moment où tu peux plus. Ah si, elle peut. D'accord. La main, la main, la main. Bravo, Lorraine. Mais je pense qu'elle est bien hydratée aujourd'hui. J'ai vu mon quota là, c'est bon. Bravo, vous avez géré. T'es rincé? Oui. J'ai tellement mal ici là. Ah et pareil, je vous préviens, faut s'étirer là. Bon. Ah tu vas douiller, tu verras. Alors? C'est sportif. Hein. Oui. Je pense que je manque clairement de conditions physiques. De conditions physiques. Moi, c'est ce que je me suis dit parce qu'en fait, ton premier coup quand t'es sorti, je me suis dit ah ouais, trop bien. Et en fait, après, l'impression que ça a donné, c'est qu'au bout de 5 minutes, j'avais plus de jus du tout. J'avais plus du tout de force. Mais le premier coup où t'es sorti, je me suis dit ah putain, ça va être finger in the nose. Et en fait, 5 minutes après, j'ai senti le ouh là 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 là. On est arrivé et là c'est Océanie. Elles s'en vont. Elles s'en vont quand j'arrive. De toute façon elles sont comme ça. C'est ce genre d'artistes qui se barrent quand t'arrives. C'est tout mignon. Petite scène sympa. Petit festival sympa. Là-bas il y a des crêpes. Let's go. Et là c'est Lorraine. Même me laver les mains c'est un supplice. C'est appuyé sur le robinet. J'ai trop mal, j'en peux plus. Je suis cassée. C'est rigolo. Comment tu vas faire pour applaudir? Je pourrais pas faire le poulpe. De toute façon, faut pas les applaudir parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, j'étais en train de dire ça, c'est aussi nous, elles étaient en train de se barrer. C'est des artistes pas sympas. Donc on va pas les applaudir. On est venu voir les copines au Mondial Folk de Plozévet. Les copines, c'est un grand mot. Attends, on voit leur nom. Ah oui, on voit leur nom. Je vais zoomer. Au scène. On prend notre place parce que cette table est juste magnifique. Ah par contre il y a un petit courant d'air. Je sais pas. Ça tourne.
C'est mignonne. Ah ouais, la façon de faire. Oui. Vous avez vu? Bah, il faut résister. On dirait un peu qu'il va y avoir une apparition divine. Un peu. C'est cet effet-là que je ne veux pas. Lequel? Celui qui est à gauche. Regarde. Celui-là. Attends, ça fait de la merde. Ah, il y a un chien qui vient la voir. Le chien. C'est qui le chien? Et regarde la vague, elle va être fat. On était parti à 10 minutes du festival pour pouvoir aller manger une petite crêpe dans un food truck en bord de falaise. Ouais, qui avait l'air très sympa. Hyper sympa. Voilà. 1h30 d'attente. Entendez-moi bien, 1h30 d'attente. Autant ils vous dire dit, que. Il y a 1h30 d'attente. Est-ce que ça vous va? Bah non. Du coup, on n'a pas mangé de crêpe. Mais du coup, on a fait une petite balade qui était très jolie. Oui, c'était très sympa. On n'était jamais venu ici. Non. Donc très, très sympa. C'était très beau. On adore. Vraiment beau. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et ben voilà!